Michel Roger n'est pas un artiste comme les autres. Son originalité crée en public. Rencontre avec Luc Laguin-Boucher et Cyril Desbonchel. Michel Roger est un adepte de la performance. Régulièrement, il travaille en direct dans des lieux publics. Besoin de contact avec les gens, envie d'être vu, il est dans l'urgence, dans la création. Je ne suis jamais sur un terrain très stable. Et alors la thérapie, c'est un peu une thérapie, c'est la terre. Je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est du travail avec la terre et avec les gens. Quoi. J'ai besoin de voir si on me reçoit encore 10 sur 10, terre sur terre. Depuis le 7 février, il travaille dans la galerie de l'espace culturel des transports urbains de Reims, sous le regard des badauds. Le 24 février, il aura réalisé 15 sculptures. Son pari sera tenu. C'est la première fois que je tente une expo en direct. C'est-à-dire que je fais mon expo, j'amène mon atelier ici. En fin de compte, je fais comme si j'étais à l'atelier. Le lieu d'exposition devient l'atelier. Et jour par jour, je fais une pièce. Et contrairement, enfin, dans le sens inverse d'une exposition normale, le vernissage est à la fin.